surtout pour l'instant. Ouais, passe après contact, Taofi Fenois. Ah, bienvenue là. Butin. De maison, Taofi Fenois avec Palis. Il y a un coup à jouer. Palis qui va aller. Palis. Et ouais, l'essai, le deuxième essai français. Superbe essai. Moins de 20 minutes et le deuxième essai en coin. Donc très 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 bien joué d'ailleurs. L'ailier albigeois qui est décalé par son pilier Tao. Butin. Chandelle de Butin. Attention, il faut sortir côté français sinon on va être en jeu. Et dessous, Butin, il récupère ce ballon. Crochet. Il va y aller, Butin. Jean-Marcel Butin et les trois quarts français sont à l'honneur dans cette rencontre face à l'Australie. Troisième essai en 25 minutes. Ouais, c'est Bérard. Bérard qui va très vite. Attention, 80 mètres pour Bérard, il est tout seul. Il va pas y aller. Ouais, il est rempli par Hooper. Hooper, c'est celui qui a mis l'essai tout à l'heure australien juste avant la pause. Il y a moyen de revenir dans l'axe avec Doussin qui échappe ce ballon dans l'embut. Énorme défense côté australien. Énorme défense. Déjà, il y a eu le retour du troisième ligne australien. Ah, Doussin, il s'en veut là. Il avait la ligne. Hooper qui a. Ah ouais. On reste debout. Voilà, Galland. Galland, cette fois-ci, il faut aller proprement au sol. Ouh, un ballon porté là. Côté français. On a gagné encore 5 mètres. Doussin par-dessus. Allez, belle. Allez, belle à jouer entre les poteaux. Et l'essai de Barak. Essai de Barak. À 25 minutes de la fin de cette rencontre, les Français qui marquent un quatrième essai. Magnifique inspiration de Doussin. Et on le voit, hein. C'est le deuxième jour.